Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une application qui est différente de celle d'hier. Nous allons voir une application de cuisine. Pour cela, je vous laisse ouvrir votre Play Store. Dans la barre de recherche, vous pouvez rechercher frigo magique. Et vous lancez la recherche avec la loupe qui se situe en bas à droite de votre clavier. Donc l'application Frigo Magique, c'est celle-ci. Il suffit de cliquer sur Installer. L'application est installée, vous pouvez cliquer sur Ouvrir. L'application s'ouvre. Alors, vous avez une présentation qui est faite. Le but de cette application est donc de vous proposer des recettes qui n'excèdent pas 30 minutes de préparation. Vous pourrez ajuster le nombre de personnes pour les quantités. Il n'y a pas besoin de balance, tout est fait pour vous simplifier la tâche. Pas de gaspillage, parce que vous allez voir qu'il vous propose des recettes uniquement avec les ingrédients que vous avez. Vous pouvez partager les photos de la recette une fois qu'elle est réalisée. Vous aurez la notion du Nutri-Score qui apparaîtra en fonction des recettes. Et vous allez pouvoir commencer en précisant si vous voulez choisir parmi tous les ingrédients proposés ou bien si vous avez des spécificités, à savoir un repas végétarien, végétalien, sans gluten ou sans lactose. Moi, je vais choisir avec tous les ingrédients. Il vous est proposé de vous inscrire ou de vous connecter. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez choisir plus tard tout en bas. Tous les jours, vous avez une recette qui vous est proposée. Donc moi, celle-ci ne m'intéresse pas. Si je vais sur les trois petits traits qui se situent en haut à gauche de votre écran, lorsque vous êtes sur cet écran, vous avez par exemple les recettes 100% débrouille où vous avez toute une liste de recettes qui vous est proposée. Si vous revenez en arrière avec la flèche en haut à gauche, vous avez ajusté mes ingrédients. Ajuster mes ingrédients d'origine, on va dire oui. Commencez avec tous les ingrédients et je vais faire plus tard. J'arrive sur la liste complète des ingrédients qui sont proposés. Par exemple, j'ai des boîtes d'asperges. Si je clique dessus, je vais avoir les recettes qui me sont proposées. Par exemple, je veux faire un gratin d'asperges. La recette s'adapte à vos préférences, donc je vais dire d'accord. Nous serons quatre à table. Donc je choisis le nombre de personnes en dessous de la petite assiette. Il vous indique qu'il vous faut des asperges. Après, vous avez le choix entre le beurre et la margarine. Moi, dans mon frigo, j'ai de la margarine. Et vous remarquez que le Nutri-Score est passé de C à B. Farine, j'ai de la farine d'épeautre. Donc, j'ai plusieurs types de farine proposées. J'ai du lait. J'ai du jambon blanc. Et du gruyère. En fonction des choix que vous avez faits, ils ont modifié la recette pour correspondre aux ingrédients que vous lui avez indiqués. Si je veux sortir, je ferme à la croix en haut à droite. Si je prends une autre recette, par exemple, j'ai de la betterave cuite, tartare de légumes. Et pareil, vous avez toute la liste des ingrédients et vous cliquez en fonction des catégories ceux que vous avez dans vos frigos ou vos placards. Nous en avons terminé pour cette application. Nous enverrons une nouvelle demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.